Je voudrais d'abord vous remercier pour la patience que vous avez toujours eue envers les religieux. Je reviens encore sur ces mots, les mots que j'ai toujours employés, disant que les lits bougent. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, les lits ont encore bougé. Et comme je le disais, ce qui était impossible est devenu possible. Vraiment, aujourd'hui, encore cela a été démontré. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, 3 points qui étaient sur la table, 2 sont déjà acceptés, malgré que nous constatons la non-participation de nos frères des forces vives. Mais que cela ne tienne, le Premier ministre avec les religieux ont fait réellement bouger les points. Et de là, nous allons nous rendre à la maison centrale, sûreté, et pour rencontrer nos frères détenus, c'est-à-dire les Fonique Mangue et autres, pour que nous puissions échanger. Parce que l'intention est que de mettre ces frères à notre disposition. Et comme je le disais, 3 points du moins sur la table, 2 sont déjà acceptés, c'est-à-dire le contrôle judiciaire, par la grâce de Dieu, cela sera revu et si même annulé. Et deuxièmement, rapidement accélérer le jugement de Fonike Mangue et pour ne pas dire remis à notre disposition afin qu'ils puissent avoir leur liberté. Et troisième chose que nous sommes en train de revoir, c'est le cas de la CRIEF. Vous savez, c'est un peu sensible pour le moment. Nous sommes encore en train de discuter et nous prions qu'à un moment donné, nous aurons encore des solutions pour cela. Mais ce que nous pouvons vous garantir, c'est que les lignes ont vraiment bougé. Et par la grâce de Dieu, un communiqué sanctionnera toutes ces décisions prises aujourd'hui.